Très bon niveau, donc il est parti en Australie, il est parti à La Réunion, il avait fait les championnats du monde junior au Brésil. Bon, puis au bout d'un an, il est rentré, il m'a dit finalement, j'ai pas envie de faire que ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, de la musique. Bon, il avait un garage un peu pourri, on l'a aménagé, on a fait un studio qui a un son extraordinaire, paraît-il. Et puis Tom a commencé à jouer là-dedans, à trouver des bons musiciens, et puis il est très créatif, donc il s'est mis à écrire des chansons. Les gars adoraient ses chansons, sont mis à jouer tous ensemble, les premiers concerts, et puis c'est parti, quoi. À la base, on était quatre, copains, musiciens, surfeurs d'ailleurs, les quatre. Donc on partageait et le surf et la musique, et on s'éclatait. Et moi, j'avais besoin de toute façon, j'adorais ça, écrire des chansons, inventer des mélodies. Jouer dans les petits bars de la région, entre Biarritz, Osgore, Lacano, parfois jusqu'en Bretagne. C'est vrai beaucoup sur la côte au départ, puisque c'est le milieu du surf qui a le premier commencé à me donner ma chance en tant que musicien, puisque tout le monde me connaissait par rapport au surf, donc comme c'était assez reggae, un peu rock parfois, ça passait bien sur les vidéos de surf, donc j'ai des copains qui produisaient des films de surf et qui mettaient ma musique en bande-son. C'est comme ça que tout a commencé et que c'est de petit à petit je me suis dirigé vers quelque chose de plus professionnel parce qu'il y avait de l'engouement autour de ce que je faisais. Moi c'est Mathieu en fait, Ruchiro, le bassiste, Tom, le chanteur, voilà. Henri, le guitariste, et Mathieu, la batterie. Attention, les Goyaves débarquent sur la scène musicale française. Un son à mi-chemin entre le reggae des îles et le rock, pas nécessairement 100% français, ça c'est pour la note musicale. Mais les Goyaves pourraient tout aussi bien monter un véritable team de surfeurs, à l'image de leur frontman, ancien pro-surfeur justement, qui va puiser une partie de son inspiration au plus profond de la chambre verte. Ou si vous préférez en langage surf, bien calé dans le tube. On n'est pas des rastaman et on n'est pas des rockers, mais on aime la vibration du reggae, on aime le côté un peu plus puissant du rock.